Bonjour les amis de la chaîne de Martha, abonnés ou visiteurs, si ça vous plaît, n'oubliez pas, cliquez sur la cloche, abonnez-vous. Et ici, on va parler du tirage de la lecture du mois de janvier. Donc, on s'approche de la fin de l'année, on n'y est pas encore tout à fait, on y arrive. Et on va voir un petit peu les énergies, ce avec quoi il va falloir travailler, quelles sont les complications à surmonter et surtout quels sont les bonheurs qui vont entrer dans notre vie pour cette nouvelle année. Je vous rappelle aussi que avec le jeu de Martha, vous allez pouvoir regarder à la fin de votre lecture le positionnement du même tirage, mais avec la carte qui ont les mots-clés. Donc, vous allez pouvoir vous-même regarder des informations en vous servant des mots-clés et peut-être faire une lecture supplémentaire qui sera encore plus précise pour vous. Parce qu'avec les mots-clés, vous allez pouvoir distinguer exactement quel est le mot qu'il va falloir prendre pour votre situation. J'espère que cette nouvelle façon de faire les lectures vous conviendra. Elle s'adresse évidemment aux néophytes du Petit Lenormand, mais qui aiment beaucoup les tirages, et aussi à ceux qui sont en train d'apprendre grâce aux formations. Voilà mes amis, j'espère que vous serez heureux, joyeux, contents et surtout en bonne santé pour cette nouvelle année qui nous attend. Je vous embrasse et on se retrouve tout de suite. Bonjour les cancers, bienvenue sur votre lecture du mois de janvier. Alors, ça bouge hein, pour vous, hein, sur ce mois de janvier, on voit que vous n'allez pas rester les deux pieds dans le même sabot. Carte centrale, le cavalier, carte de mouvement, donc quelqu'un, quelque chose vient vers vous pour une situation particulière. Cigogne, déplacement, modification, changement, déménagement, pourquoi pas pour certains de nos amis cancers. Bref, on attaque tout de suite. Aux quatre coins, nous voyons la croix qui suppose une situation difficile et un petit peu lourde par rapport à un contrat, une union, une association, voire par rapport à un couple ou à la famille. Difficulté, chagrin par rapport à un rendez-vous, par rapport à une réunion, par rapport à un groupe d'amis, un groupe qui fait partie de votre entourage social, professionnel, bref, là aussi, il y a quelques contrariétés. Et avec le nuage, on peut voir aussi qu'il y a quelques problèmes passagers, hein, les cancers. Attention, on n'a pas un mois dégueulasse, hein. Non, j'ai pas dit ça. Et ici, on voit avec le miroir du nuage et de l'anneau que les problèmes s'estompent. Ici, avec le nuage et le jardin, on voit que les problématiques liées à un groupe relationnel, intime, professionnel, s'estompent aussi et vont vers le mieux. Mais la première carte est quand même cette croix. Donc, cancer, on sait que vous êtes rapidement impacté par des événements et que profondément, vous êtes touché dans certaines situations. Là, on va voir de quelle situation il s'agit pour les cancers. Alors, notre lecture linéaire nous parle de quoi ? D'une situation difficile, compliquée, lourde, pénible par rapport à un blocage vis-à-vis de solutions que vous cherchez dans le cadre d'un conflit. Bon, je ne vous cache pas qu'avec le fouet et le soleil, ça peut être un conflit un petit peu compliqué, un petit peu difficile. C'est un petit peu le soleil brûlant, si vous voulez. Donc, ça peut être assez compliqué, ces conflits et ces disputes, ces distensions dans tous les cas. On voit avec le soleil que ça va s'apaiser. Donc, les solutions que vous cherchez, vous voyez, vous allez certainement les obtenir. Parce qu'avec le soleil, on voit que ça va s'atténuer ici. Et vous allez avoir des éclaircissements par rapport à une entreprise, une administration et en lien avec un contrat, une union, une association. Dans tous les cas, ça touche votre foyer. Ça touche même aussi votre santé, ami cancer. Parce que oui,
Comme je l'ai dit au départ, vu que vous êtes impacté profondément, eh bien, ça peut toucher votre morale, ça peut toucher votre santé. Vous savez, il y a bon nombre de personnes, quand elles sont contrariées, elles ont très mal au ventre, par exemple. On dit que c'est quand même notre deuxième cerveau, hein, l'estomac. Donc, ici, on voit que ça vous touche au niveau du foyer, au niveau de votre santé. On nous parle ici, Dieu merci, d'une opportunité, de quelque chose de satisfaisant, qui va vous permettre donc de faire venir à vous ou d'aller vers une discussion. Cette discussion, c'est pour officialiser un paramètre de votre vie, une situation qui vous touche, donc en relation avec une union, un contrat, une formation et cette administration. On parle d'officialiser quelque chose et d'en ressortir avec une notification, un courrier, quelque chose d'écrit. Bien sûr, il reste quelques problématiques et ça va vous stresser, vous contrarier. Ici, avec le chemin, on parle de décision à prendre. Alors, où vous pouvez être, vous, à l'origine des choix et des décisions, voire d'une séparation. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans cet état de soucis, de confusion et de stress. Parce qu'ici, on nous dit bien qu'il y a une situation qui se clôture et qui se transforme par rapport à un proche, un compagnon, un ami, un soutien. Il y aura des communications en vue de retrouvailles dans le jardin. Alors, ces retrouvailles, elles peuvent être d'ordre ludique et elles peuvent être aussi d'ordre administratif ici. Alors, mes amis, je vous prie d'excuser le son de ma voix parce que j'ai une petite trachéite. Donc, je vous raconte un peu ma vie, hein, je suis désolée. Mais à des moments, je suis obligée de prendre un bonbon pour pouvoir continuer à parler. Donc, oui, je parle un peu du nez. Oui, c'est un petit peu compliqué pour moi, mais ne vous inquiétez pas, votre tirage sera très clair. Alors, nous allons continuer maintenant dans les miroirs. On a vu la croix et l'anneau nous parle d'une problématique, d'une situation lourde et un petit peu difficile par rapport à une union, une association, un contrat, bref, quelque chose qui vous lie à quelqu'un. Avec le mont et la tour. Ici, on est bien dans le cadre de difficultés que vous avez rencontrées sur le début du mois de janvier, mais qui vont se libérer un petit peu, qui vont avoir tendance à s'ouvrir ces retards et ces blocages vis-à-vis de cette entreprise ou de cette administration vont vers le mieux. C'est-à-dire qu'enfin, vous recevez certainement quelque chose qui vous permet d'avancer dans la situation qui vous préoccupe. Avec la clé et le soleil, alors là, c'est carrément magique parce que vous avez les solutions, vous avez les éclaircissements et vous avez le triomphe dans une situation. Il n'en reste pas moins qu'ici, le fouet et la cigogne vont nous parler de situations, conflictuelles, qui restent positionnées, qui sont encore dans l'air, vous voyez. Il suffira de pas grand-chose pour ranimer le conflit. Donc, attention. Et ce conflit aussi peut vous amener à des changements et à des modifications par rapport à quelque chose que vous avez entamé au niveau administratif. Avec la maison et la lettre, il y a pour votre foyer donc des nouvelles qui doivent arriver. Je me demande, ami Cancer, s'il n'y a pas des problématiques pour vous dans le cadre d'un déménagement ici avec ce contrat. Peut-être que certains cancers ont reçu un document qui leur demande de partir parce que le bien va être vendu ou quelque chose comme ça. Hein. Il y a cette possibilité-là aussi. Dans tous les cas, on voit que pour la maison, pour le foyer, vous recevez un courrier. On voit bien que ce courrier génère des problèmes hein, et on voit bien qu'il est officiel. Donc, c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir, mettre de côté. Avec l'arbre et le lys, il y a ici la notion d'un thérapeute, d'un médecin ici, quelqu'un qui est là pour votre santé. Donc, il est possible que certains cancers soient préoccupés par une situation administrative en relation avec leur santé, avec leur bien-être. Avec le trèfle et les oiseaux, ici, une opportunité peut se renouveler. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une étude de dossier qui se remet en action. Et visiblement,
on va venir vous chercher à ce sujet afin de changer, de modifier certains paramètres et peut-être même de vous donner un avancement dans cette situation qui vous préoccupe. Notre nuage et le jardin nous parlent de situations difficiles, problématiques qui s'estompent. C'est-à-dire qu'un petit coup de vent a dû souffler sur ce nuage parce qu'on voit un petit peu l'éclaircie, donc par rapport à un rendez-vous, par rapport à une réunion, par rapport à un cercle amical, relationnel. Avec les souris et notre étoile, on peut nous dire ici qu'il y a une situation un petit peu de stress par rapport à des communications que vous attendez. Communication, vous le voyez bien, qui touche le foyer, qui touche la santé, qui touche cette fameuse opportunité et aussi donc la tour, l'administration. Les chemins et le chien. Choix, décision, séparation d'avec un ami, un proche, un compagnon. Alors, vous pouvez être tout simplement dans le cadre d'une situation de dispute avec un proche dont vous décidez de vous séparer. Voilà, vous le rayez de votre liste. Ça peut être aussi quelque chose de plus important, puisque regardez, ici, on retombe sur l'anneau. Donc, il y a bien une situation qui était là depuis longtemps, qu'elle soit de l'ordre du professionnel ou de l'union. Et ce cercueil nous parle de transformations qui vont apporter des changements, des modifications, peut-être même un départ. Peut-être même que vous allez changer de lieu de vie ici. Bon, vous voyez ce que je vous disais, ça bouge, hein. C'est un mois très, très, très actif pour vous, Cancer. Mais, comment dirais-je, même si la situation est un petit peu lourde, on voit qu'elle est antérieure au mois de janvier, hein, dans tous les cas. Vous la traitez sur le mois de janvier et vous la traitez de la meilleure façon qui soit. Alors, ne vous inquiétez pas, ça parle quand même d'interaction entre vous et cette administration ou cette entreprise, mais je sens pas quelque chose de très négatif en définitive. C'est une problématique que vous aviez déjà en connaissance sur les mois d'avant. Donc, c'est pas quelque chose que vous apprenez, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus de façon soudaine et imprévue. Non, non, c'est quelque chose que vous traitez déjà depuis un petit moment et qui a pu être un petit peu retardé, un petit peu bloqué. Alors, dans nos colonnes, ici, avec la croix, la lettre et le nuage, certains amis cancers ont un chagrin, une peine par rapport à des échanges qui se passent peut-être avec un ex-partenaire. D'autres, ça va être vis-à-vis d'une situation qui touche le foyer. C'est quelque chose de lourd que ce courrier, hein, on le voit, hein, entre la croix et le nuage. On voit bien que ce n'est pas quelque chose qui est simple, ce n'est pas quelque chose qui ne peut pas vous toucher, c'est quelque chose que vous allez devoir traiter. Ça fait suite à, je dirais, un sentiment de trahison, de manipulation, pour lequel vous allez chercher des solutions afin d'entamer un nouveau départ grâce à la discussion. Peut-être même cette discussion s'est faite en famille pour ce nouveau départ. Toujours est-il ici qu'il y a une autorité qui vous donne des documents. C'est cette fameuse lettre. Ces documents sont assez lourds, mais il va falloir les traiter. Ça peut être aussi pour certains cancers, la notion financière qui touche le foyer, donc, hein, avec beaucoup de documents à traiter. Ici, le mont, le lys, les souris. On le voit le début du mois de janvier, il est un peu dégueulasse, hein, je ne vous le cache pas. Une situation qui était bloquée, retardée, commence à se débloquer d'une façon officielle par rapport à quelque chose qui est juste sur votre chemin de vie. Mais ça n'empêche pas que ça vous stresse et ça vous angoisse, ça peut même vous coûter un petit peu d'argent. Ici, on parle de transactions financières, de possibles situation en lien avec votre professionnel, quelque chose qui est conflictuel peut-être avec un homme, et vous allez avoir des éclaircissements qui vont donc vous donner l'occasion de prendre une décision assez rapide et brutale là, qui va pas être simple parce que ça vous amène quand même de la peine, mais tout ça part à l'origine d'un conflit avec un homme malgré tout, vous voyez, conflit avec un homme ou situation peut-être charnelle avec un homme
qui ne débouche pas sur quelque chose je dirais avec le lys, de serein et d'honnête, et qui vous met la rate au courbouillon, quoi. Hein? Alors, ça peut être tout à fait dans le domaine pro, si vous travaillez, dans le domaine relationnel, si vous ne travaillez pas, dans le domaine de la santé, si vous êtes touché par rapport à une administration. Ici, mon Dieu, je suis vraiment désolée pour ma voix. Allez, on éclaircit un peu. Oui, ça va. Ici, avec la clé, les oiseaux et les chemins. Des solutions dont on discute pour changer de route, pour peut-être que là, vous êtes à un vrai carrefour de votre vie, au niveau de votre travail, au niveau de votre relation, au niveau d'un contrat, quelque chose. Dans tous les cas, vous devez prendre des décisions importantes ici. On nous dit que ces décisions concernent votre foyer. Ou alors peut-être une entreprise familiale, peut-être que vous travaillez dans une entreprise familiale et ça peut être aussi en relation avec ça. Dans tous les cas, on nous parle qu'au niveau foyer, vous avez des propositions, des offres pour entériner une situation qui vous tient à cœur, vraiment qui vous concerne, afin de prendre un nouveau départ ici. Donc, il y a quelque chose qu'il va falloir lâcher, les cancers, pour justement avoir ce nouveau départ. Et il sera confirmé, ce nouveau départ, grâce à un courrier, une notification. Maintenant, pour d'autres cancers, ça va toucher réellement un enfant qui est dans cette situation de problématique. Mais effectivement, ça vous touche et ça vous impacte aussi. Donc, vous pouvez, si vous avez un enfant qui est dans une situation délicate ou vis-à-vis d'une entreprise ou vis-à-vis d'une administration, mettre cette situation pour cet enfant. Le fouet, le cavalier, le cercueil. Bon, le cavalier, il vient chercher ce fouet et il le transforme en cercueil. C'est-à-dire que ici, quelque chose ou quelqu'un vient vers vous dans le cadre d'une dispute, dans le cadre d'un conflit, ou d'un souci quelconque, mais c'est pour clôturer cette situation que l'on va venir vers vous. Donc, quelque chose qui est important ici. On nous parle de réunion, de discussion, de rendez-vous avec les administrations pour des décisions rapides qui vont entraîner des changements, des modifications. Ça va être rapide, ça va être brutal là. Donc ça va aller très vite en définitive. Parce que regardez bien ce tirage, mes amis cancers. Vous voyez, toute cette première partie du mois de janvier, c'est compliqué. Malgré la clé, vous avez quand même la croix, vous avez le mont, vous avez le fouet, vous avez le cercueil, vous avez les chemins, vous avez les souris. Vous avez le nuage. Je pense que vous avez réuni la plupart des cartes dégueulasses du jeu, hein. Donc, on voit bien que jusqu'à ce moment-là, de résolutions définitives, brutales, qui vont apporter de gros changements, peut-être même des déménagements, des départs dans cette situation, c'est vraiment quelque chose à traiter qui va être intense. Mais regardez après. Après, c'est magnifique. Nous avons le soleil, la tour, l'anneau, le trèfle, l'arbre, le foyer, les étoiles, le jardin. Non, après, franchement, ça va être zen, hein? Donc, no stress, s'il vous plaît. On reste bien focalisé sur des situations qui, attention, comme je le dis toujours, peuvent avoir une amplitude comme un séisme, hein, de niveau 1. Vous allez sentir un peu vos pieds trembler, ce n'est pas grave. Ça peut être plus important pour d'autres à aller jusqu'à un niveau 5, à renverser les meubles, hein? Mais ici, il faut quand même relativiser et surtout être confronté à une situation qui vous préoccupe, hein. N'allez pas inventer des problèmes si vous n'en avez pas. Allez, on continue. Avec le soleil, le trèfle et le chien, ici, une situation s'éclaire. Il y a un réel triomphe. C'est un coup de chance, une opportunité qu'il ne va pas falloir laisser passer, hein, en relation avec un compagnon, un ami, une personne proche. Bref, ici, on vous parle de quoi? Décisions rapides et brutales qui vont entraîner un déplacement qui concerne ou la famille élargie ou une situation qui est là depuis longtemps ou la santé. En lien avec une administration avec laquelle on parle de quoi avec cette administration? D'un sujet qui nous tient à cœur. Et ça va donner ben, la disparition des problématiques pour entraîner des changements, des modifications qu'il va falloir traiter. La tour, l'arbre, les étoiles. Alors,
Avec l'arbre et la tour, on peut penser à une maison de santé. On peut penser à une administration qui gère la santé, avec un retour au calme, un retour un petit peu à la sérénité et surtout des communications importantes. Ici, on vous dit qu'il y a des documents qui sont un petit peu rébarbatifs, hein, qui reviennent au sujet d'un accord, d'un contrat, d'une association, bref. Il va falloir prendre des décisions qui seront peut-être nombreuses et un petit peu stressantes pour nos cancers. Mais ça met en cause le foyer et l'administration. Ou alors, pour certains, je dirais une entreprise familiale et l'administration. Allez, on continue. Ici, on est avec le contrat, l'union, l'accord, le cercle familial, une association, un partenariat au sein même du foyer où l'on se réunit. Il y a un regroupement de personnes, peut-être de la famille, qui vont se réunir chez vous pour parler de cette situation. Ici, on traite les conflits par rapport à une situation qui était là depuis longtemps ou par rapport à une situation de santé. On a des solutions qui sont un petit peu retardées. Écoutez bien ce que je dis, hein, un petit peu retardé, un petit peu bloqué. Mais on discute parce qu'on va apporter des solutions et ça va nous permettre un nouveau départ. Un nouveau départ avec, à la clé, des choix, des décisions, peut-être même un carrefour de vie, un changement radical pour vous, cancer. Donc, vous voyez, vous avez beaucoup de choses à traiter, mais c'est important, hein. Et vous êtes déjà dans cette situation depuis un moment. Donc, ce n'est pas une surprise pour vous. Je ne vous annonce pas une catastrophe que vous n'êtes pas déjà au courant, dont vous n'êtes pas déjà au courant. Nous regardons maintenant nos diagonales. Alors, on est ici avec la lettre et les souris. On voit bien une lettre. Alors, avec la lettre et les souris, on peut se parler de facture, puisque les souris, elles grignotent l'argent, il y a une sensation de perte financière. Est-ce qu'on va vous demander de l'argent? Est-ce que c'est quelqu'un d'officiel qui vous demande cet argent? Est-ce que c'est par rapport à un dossier qui est en cours? Vous devez avoir une participation financière. Bref, ici, on nous parle quand même de santé, de famille ou de travail. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là, hein, qu'arrive ce courrier. Alors, la croix, le lys et les chemins. Ici, on peut se dire effectivement qu'il y a une situation. Il y a ici avec la croix et le lys une certaine notion de dignité. Comment vous dirais-je ? C'est-à-dire que vous avez affaire à une situation où vous restez digne, où vous restez maître de vous-même, où vous êtes vraiment irréprochable avec ce lys. Malgré tout, cette situation va entraîner des décisions. Il va falloir traiter ce sujet qui va vous permettre d'aller vers une totale, je dirais, réjouissance. Parce que ça va vous amener un grand triomphe, déjà sur vous-même et vis-à-vis d'une situation qui vous préoccupe. Donc, oui, c'est lourd. Oui, il y a des choses à traiter. Oui, c'est officiel. Mais dans tous les cas, vous en sortez vainqueur. Vous aurez certainement des communications dans ce sens, hein, qui vont venir éclairer votre lanterne, mais aussi qui vont vous apporter la notion de triomphe. Avec le mont, les oiseaux et le cercueil. Situation bloquée, retardée, difficile dont on discute, mais on discute d'une clôture, d'une fin de quelque chose. Peut-être en relation avec une maladie, peut-être en relation avec une situation qui touche, dans tous les cas, l'administration et le travail. OK ? Ici, on nous parle d'une situation qui est là depuis longtemps, donc, excusez-moi, j'ai éternué entre-temps, qui touche aussi votre cœur. Donc, ça peut être une situation relationnelle, on le sait. Ça peut être une situation de santé qui est importante pour vous aussi. Mais dans tous les cas, quelque chose se termine et se clôture. Alors, solution cavalier chien. On vient vers vous pour des solutions, accompagné ou en relation avec un compagnon, un ami, un soutien ici. Là, vous avez fait face, sur ce mois de janvier, à une situation de trahison, de manipulation, quelque chose qui n'était pas honnête et droit.
et vous aurez certainement un courrier par rapport à cette situation. Et ce courrier va vous parler donc de cette problématique, de ce ressenti que vous avez d'avoir été trahi. Dans tous les cas, peut-être que les solutions qu'on vous apporte là ne sont pas satisfaisantes pour vous. Peut-être que cette lettre que vous allez recevoir ou ce courrier, cette notification, vous semble être une trahison. Donc, vous allez vous rebeller. Ici, le fouet, le trèfle et nos étoiles. Dans un conflit, dans une situation problématique, une difficulté qui se reproduit encore, il y a la notion d'avoir un coup de bol. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si par magie, vous voyez ce que je veux dire, il y a une résolution de ce conflit. Alors, grâce à des communications, certainement, et ça va vous apporter une paix, une tranquillité. Mais, attention les cancers, je le sais, vous restez quand même dans une notion de stress et d'angoisse, hein, parce que vous êtes fortement impacté. Ici, soleil, arbre, jardin. Waouh! Alors, lumière faite sur une situation de santé en relation avec des administrations, de la lumière qui est faite par rapport à une situation qui est là depuis longtemps, peut-être qui concerne aussi le jardin, c'est-à-dire un groupe de personnes qui fait partie de la famille, des intimes. Dans tous les cas ici, on nous dit qu'il y a des communications, qu'il y a des réjouissances à la clé dans cette situation, ou avec ce groupe relationnel, intime, social, ou alors par rapport à des nouvelles qui viennent pour la santé, ou par rapport à la famille. Dans tous les cas, c'est assez positif, avec un retour à la tranquillité. Donc, je vous l'avais dit hier, sur la fin du mois, c'est quand même beaucoup plus zen. Ici, avec la tour et notre foyer. Alors, on peut être dans une interaction administrative entre vous et votre foyer. On peut être aussi dans des communications avec une administration et ça touche votre foyer. On parle quand même de quelque chose qui continue un petit peu à vous stresser, à vous ronger. Peut-être une notion de perte financière pour vous. Mais dans tous les cas, les choses ont tendance à se libérer. Je dirais, vous allez quand même vers une situation avec l'anneau qui est juste au-dessus, d'accord, de transition, mais de transition quand même potentiellement satisfaisante. Donc, vous faites votre petit bonhomme de chemin. C'est un petit peu difficile, un petit peu compliqué, mais vous traitez tout ce qu'il y a à traiter. S'il vous plaît, essayez de garder votre bonne humeur, votre positivité, j'ai envie de dire. Parce que ici, ça peut un petit peu être lourd à traiter et un petit peu difficile. Donc, ne soyez pas abattu parce que sur la fin du mois, je vous assure, mes amis cancers, ça va se libérer, ça va s'alléger et vous allez enfin voir le bout du tunnel. OK ? Alors, dans le groupement de nos cartes, ici, nous avons que deux as. Bon, ces deux as nous parlent de confusion. On le sait, hein, on l'a vu, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'événements à traiter, beaucoup de situations à gérer qui peuvent vous amener une certaine confusion. Parce qu'on a ces courriers qui arrivent, qui sont positifs, puis après qui le sont moins. Des contrariétés ici qu'on a vues par rapport à des manipulations, par rapport à des choses qui ne sont pas très très nettes, qui vous mettent en colère. Donc on le voit, il y aura une certaine confusion. Nous avons aussi trois rois. Alors, je vais traiter aussi ces deux rois noirs qui sont bien côte à côte et qui nous parlent quand même de procès et de démarches gagnées ici. Donc, vous voyez, il y a réellement une belle libération. Hein. Même si ce n'est pas de nature à danser la chenille, le résultat n'empêche que vous avez raison et on vous le dit. Et sur les trois rois, on nous parle de démarches qui se passent bien. Donc, dans tous les cas, c'est très positif. Hein. Nous avons aussi deux reines. Ces deux dames sont deux reines rouges. Et les deux reines rouges nous parlent de retrouvailles, de rencontres, de belles amitiés. Donc ici, vous avez du soutien sur ce mois de janvier. Je n'en doute pas. Il y a aussi deux neufs. Ces deux neufs sont deux neufs rouges, n'est-ce pas? Donc, avec les deux neufs rouges, on nous parle de satisfaction. Donc, vous voyez bien que même si c'est un petit peu délicat,
il y a quand même des points très positifs. Il y a aussi 3-8. Alors, ces 3-8 ici, je vais traiter ces 2-8 rouges qui sont bien côte à côte pour commencer, qui nous disent, il y a un coup de cœur. Il y a quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous porte un peu pour certains cancers. Et avec les 3-8, il y a l'annonce d'un partenariat, d'un accord, d'une association. Alors peut-être que vous êtes dans le cadre d'une recherche d'association dans le commerce, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, ça se passe plutôt bien et vous allez vers le positif là aussi. Avec nos 4, 7, mes amis, oui, parce qu'on n'y va pas avec le dos de la cuillère, regardez. Là, il y en a 3 et le quatrième est un petit peu plus loin. Alors, pour les 3, 7 qui sont bien en correspondance, on peut nous annoncer que vous allez entendre parler d'une grossesse ou vous-même avoir une envie de grossesse ou peut-être un souci physique. Et là, je reviens dans la santé et dans les difficultés par rapport à l'administration. Et avec les 4, 7, nous allons vers de la méchanceté dont vous êtes victime, de la calomnie. Et là, je reviens sur ce courrier qui ne va pas vous faire plaisir et qui est problématique pour vous parce que on raconte des méchancetés. Donc, vous voyez, on a bien retrouvé la lecture générale dans le groupement de ces cartes. Donc, ça nous conforte bien sur cette lecture. Je vous souhaite quand même d'aller vers le positif, hein, amis cancer. Vous ne traitez pas des trucs qui vous tombent dessus de façon impromptue. Donc, vous savez très bien de quoi on est en train de parler. Ne vous inquiétez pas, il y a quand même une jolie réussite. Hein. Même si elle n'est pas hyper fabuleuse, vous gagnez, vous êtes vainqueur dans cette situation. Et je vais vous souhaiter maintenant de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous fais plein de gros bisous et je vous attends pour la lecture avec les cartes qui ont les mots-clés sur le même tirage. À très vite! Voilà mes amis cancer, j'ai disposé pour vous les cartes avec les mots-clés du jeu de Martha. Vous n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez trouvé des informations pertinentes en vous servant des mots-clés qui sont sur les cartes. Et j'espère que ce petit procédé va vous permettre d'améliorer votre lecture du petit Lenormand pour ceux qui sont dans les formations. Donc, je vous fais de gros bisous, je vous laisse prendre connaissance du tirage et si vous voulez le traiter et vous en servir, faites une capture d'écran ou mettez sur pause pour faire votre propre lecture. Je vous embrasse.